Bleu Toulouse, la radio de tous vos déplacements. Décollage dans 20 secondes. Tous sur France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. 25 rendez-vous d'information locale chaque jour. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse sur 95. Le côté agréable de la vie. La seule radio au service des Toulousains. Rendez-vous dès à présent sur 95. 4, 3, 2, 1. Décollage. Heures, 9h, France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse Matin. Et c'est toute l'équipe de France Bleu Toulouse Matin et qui est là pour cette naissance avec un grand sourire. Le papa de ce bébé radio, Jean-Luc Hess, président de Radio France, est-il un papa comblé? Bonjour. Ouais, je suis un vieux papa déjà, mais je suis vraiment comblé. J'ai écouté cette bande-annonce qui est formidable parce que ça veut dire tout. Enfin, ça va être une radio joyeuse, ça va être une radio pour les Toulousains et les gens de la région Midi-Pyrénées. Et c'est toujours difficile d'avoir, c'est très émouvant d'ouvrir une radio parce que ça n'arrive pas tous les jours et puis on a l'impression qu'on entre dans un monde, enfin, on ne sait pas ce que c'est la radio, on ne sait pas ce que c'est les ondes, on ne sait pas comment ça marche en fait pour dire, en tout cas moi je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très émouvant, donc je suis très honoré d'être avec vous, je sens que vous êtes tous de bonne humeur, je sens que ça va être une belle radio et puis je crois savoir, enfin j'ai l'impression, l'intuition en tout cas que Toulouse, sa belle région Midi-Pyrénées, attendait tout de même une station de France Bleu. J'ai regardé toujours la carte de France et puis je me disais, mais il y a un grand blanc, là, il n'y a pas de station France Bleu, c'est pas possible, il faut qu'on change ça. Donc vous avez réussi à faire ça, ça n'a pas été facile d'ailleurs. Et dans quelques minutes, nous reviendrons sur cet événement avec vous, Président. D'abord, l'instant historique est arrivé. Je vous laisse nous donner l'heure officielle d'ouverture de France Bleu Toulouse. Eh bien, on a 40 secondes d'heure, ce qui n'est pas bien. C'est la première et dernière fois. Il est 6 heures. Et voici le premier journal de France Bleu Toulouse. C'est Gorka Blanco qui est à mes côtés chaque matin pour toute l'info. Bonjour Gorka. Bonjour Alban Forlot et bonjour à tous. 9 jours après, on est toujours sans aucune nouvelle de Patricia Bouchon à Boulogne. Les gendarmes sont désormais moins nombreux sur le terrain, mais l'atmosphère est toujours aussi lourde dans le village. La SNCF veut vendre plus de billets de train sur Internet. Et aussi par le biais des bornes automatiques. En tout cas, il y aura moins de guichets à l'avenir. Inacceptable pour la CGT qui faisait signer une pétition hier en gare de Toulouse Matabiau. L'actualité, c'est aussi encore et toujours ce matin la Libye. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, envoient des avions militaires afin de rapatrier leurs ressortissants. Le colonel Kadhafi, lors d'une intervention télé, a promis une répression sanglante contre la révolte populaire. La Ligue des champions de football, match nul pour Lyon face à Madrid. Un but partout entre l'OL et le Real en 8e de finale aller ce soir. Marseille affronte Manchester United. Et puis à France Bleu Toulouse, c'est une promesse, Alban, on va s'occuper de vous. Et ça commence dans 20 petites minutes. Ben c'est ça, chaque matin, un coach toulousain vient vous mettre en forme. Exercice sportif, meilleure alimentation, bon conseil en direct, c'est dans la prochaine demi-heure. Le journal de France Bleu Toulouse est d'abord direction Boulogne. Le village vit au rythme des recherches pour retrouver Patricia Bouchon. Le climat est lourd dans la commune du nord de Toulouse. 9 jours que cette mère de famille a disparu. Toujours aucune trace. Toute la semaine dernière, les gendarmes ont déployé des moyens très importants. On a compté jusqu'à 300 militaires sur le terrain. Aujourd'hui, le dispositif s'allège. Reste l'inquiétude et les questions en suspens. Christian Faury, le maire de Boulogne, le confirme. Patricia est dans tous les esprits. Vous comprenez bien qu'on ne parle plus. Il y a toujours l'angoisse, il y a en plus, il y a maintenant cette situation de doute, et puis tout le monde se sent aujourd'hui un peu culpabilisé. Tout le monde a une journée, qu'on a une piste. On va retrouver Patricia, on était au chaud, et puis après, on a un soir, il faut qu'on puisse, on arrive à une conclusion le plus vite possible. C'est sûr que les gens sont aujourd'hui attentifs. Un tas de choses, un petit détail, bon, Christian Faury, le maire de Boulogne, au micro France Bleu Toulouse de Julien Lénier. Au niveau de l'enquête, rien ne filtre. Le procureur de la République, Michel Vallet, indiquait hier que les gendarmes travaillent chaque jour sur des pistes sérieuses, mais aucun élément nouveau n'a été communiqué. Vous écoutez France Bleu Toulouse, il est 6h30.
3 minutes. Il fallait être patient. Hier, Gorka, à la gare Matabiau. Pas de retard pour les trains, mais une grève des guichetiers. Une journée nationale d'action lancée par la CGT afin de dénoncer la nouvelle politique de la SNCF en matière d'accueil des voyageurs. La direction envisagerait, selon le syndicat, de réduire de moitié le nombre de ventes aux guichets d'ici à 2014. Bref, de miser plus sur Internet et sur les bornes automatiques. La CGT qui faisait aussi signer une pétition, alors qu'en pensent les usagers? Quelques réactions recueillies pour France Bleu Toulouse par Leïla Méchaoui. Je la vois pas, ça, bref. La brève manif, le Parti communiste. Brève manif, ok. Donc en fait, qui étudie ici, je te renvoie sur le jeu. Laisse. Je le prends dans ma voix, ça. Ça, je le dis moi. D'accord. Ce sont les sites de SNCF sont vraiment perdus, donc autant se renseigner aux guichets. Est-ce qu'il y a trop de guichets? Non, j'en sais rien, parce que je sais que j'en ai parlé, il faut prendre un guichet. Qui trafique SNCF, je peux faire ça. Et plus de 700 personnes ont signé la pétition de la CGT hier en gare Toulouse-Matabiau. Et toute l'info trafic en gare Matabiau, c'est dans moins de 10 minutes sur France Bleu Toulouse. Les salariés de Thales Alenia Space appelaient ce matin un rassemblement devant leur usine route de Seyss. Les négociations sur les salaires sont dans l'impasse. Les syndicats réclament 3% d'augmentation. Thales Alenia Space est spécialisé dans la fabrication de satellites. France Bleu Toulouse, 6h05, Pierre Cohen vote Martine Aubry. Le député maire de Toulouse est le premier élu d'une grande ville socialiste à se prononcer. Il choisit la première secrétaire du PS pour la présidentielle de 2012. Il épingle au passage Dominique Strauss-Kahn et son week-end très médiatique passé en France. Nous l'entendrons dans le journal de 7h. Vu d'ici, le reportage de France Bleu Toulouse, c'est tout à l'heure à 6h15. Et ce matin, nous suivrons un agent recenseur de l'INSEE à Fonsorbe, du porte-à-porte pour remettre les questionnaires avec des accueils plus ou moins chaleureux. Le recensement 2011 en France se termine à la fin de la semaine. Le 15 de France prépare le crunch, le choc face à l'Angleterre, ce sera samedi à Twickenham. Des bleus à forte coloration toulousaine, 5 rouges et noirs sont titulaires, Médard, Josion et Claire à l'arrière, Servat et Bussotoir devant. Les 8e de finale de la Coupe de France de volleyball, c'est fini pour les Spacers de Toulouse. Ils s'inclinent face à Montpellier hier soir au Palais des Sports, défaite 3-7-2. Et notez-le sur France Bleu Toulouse, on revient sur l'actu sport tout à l'heure à 6h38. C'est notre rendez-vous quotidien du Journal des Sports. La météo, un temps perturbé au programme de ce mercredi. Alors. Effectivement, c'est le défilé des nuages aujourd'hui sur le Grand Toulouse. Alors pas trop de pluie pour autant, c'est humide, mais vous ne devriez pas avoir besoin du parapluie, avec la nuit qui se confirme pour demain. Et puis je jetez un œil sur votre thermomètre. Là, au réveil, il affichait déjà 7 degrés. C'est plutôt doux, que ce soit à Saint-Jean, à Roquette, puis dans la rue Saint-Rome à Toulouse. Vers 16h, Météo France prévoit 11 ou 12 degrés au sud du département. Mais bon, c'est plutôt 10 degrés à Flourens, Cornebarieux et à la zone belge David. Ça remonte à 14 degrés demain. Et ça fait 7 minutes qu'est née France Bleu Toulouse. Bien